Merci beaucoup de m'accueillir. Mais je vous en prie. Ils ont pas à dormir de la nuit. C'est que moi, je dors. C'est que vous, vous dormez et que moi, je me prends la tête. Vous avez un mari un peu flippant, vous en amusez d'ailleurs. Oui, mais ça fait notre chef de la semaine des encornés farcis. Exactement, pour le dernier dîner de la semaine, un produit. Merci beaucoup pour cette semaine. Un bravo. Plaisir. C'était de vous très avoir sympa. Accueilli ouais. dans les cuisines de cette. L'intérêt de l'encornet, c'est qu'il n'y a pas de tentacules parce que c'est pas du tout un poulpe. C'est un encornet, c'est différent. C'est un beau moment d'émission. C'est la même chose, non les pas tout à... C'est un appel à l'enfant voilà. des téléspectateurs. Le magazine avec des animateurs télé, il y a Clairement. S de Sophie Davant, il y a eu Michel Simès aussi qui a fait Docteur Goût. C'est la chronique de Marion qui nous parle de la réouverture des lieux culturels et il y a une expo dont on voulait absolument parler ce soir dans C'est à vous. Moyen. Alors, savez-vous comment on a... Non, les Saint-Barth. Ça sort des Saint-Barth. De saluer cette tentation, cette prise de risque. Cette tentative. Franchement, qu'on n'est pas hypersensible. Non, c'est pas notre genre. À l'extérieur, événement qui a provoqué pas fait l'unanimité, je vous propose de revoir un témoignage. On en reparlera. Du mag qui fait du bien. Cette semaine, il recevait Véris des produits hallucinogènes. Les invités, non? Merci beaucoup, Faustine. Merci. Et puis merci au Grégory Gadebois, extraordinaire. Jeudi, Christian Clavier.